Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, sous Linux, nous allons voir le son qui portera sur la boucle Y. Ci-dessous, je vous mets en place le décor afin que vous compreniez où je vais en venir. Comme vous pouvez le voir, il y a une table, des assiettes, fourchettes, verres et ainsi de suite. Il manque le coquetier avec son œuf. Euh, désolé, mais où voulez-vous en venir Il me semblait qu'on allait parler de la boucle Y. J'y viens, j'y viens. Le but va être de créer un minuteur justement avec la boucle Y. Afin de faire des œufs à la coque. Comme vous savez, pour faire un œuf à la coque, il faut mettre 3 minutes. Et eh oui, tout ça pour ça. Donc sans plus attendre, regardons cela sous Linux. Donc nous voici sous Linux. Comme d'habitude, on rencontre le dièse point d'exclamation slash bin slash bash. Ensuite, on a le point color sh qui va permettre de mettre des couleurs. Dans ces cas-là, j'aurai juste le temps restant. Là, voilà, je vais l'effacer. Voilà. Ici, ensuite, je fais un écho avec du backcode clear qui va me permettre tout simplement d'effacer mon écran. Ensuite, je commence à faire un printf gestion d'un minuteur. Donc là, je le mets en underline et en normal. Le red-p, rappelez-vous, c'est toujours pareil. En fin de compte, on va donner un nombre entre 1 et 120. Là, vous pourrez modifier bien évidemment ici le nom. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et on le réinjecte dans une variable qui va s'appeler nombre. Ensuite, je fais deux petits sauts, tout simplement cages Return pour que celui-ci puisse aller à la ligne, ça fasse propre. Petite condition, si le nombre est inférieur ou égal à 1 ou si mon nombre est supérieur à 120, alors votre valeur n'est pas bonne et ça marquera en rouge, veuillez saisir une valeur comprise entre 1 et 120. Sinon, en route pour le calcul. Et c'est là qu'on va rentrer sur quelque chose d'intéressant, c'est la boucle Y. Alors la boucle Y, elle commence par Y. Vous mettez votre condition. Ensuite, vous mettez votre doux et elle finira par donne. Donc, on peut voir ici qu'on dit, si mon nombre est supérieur à 0, on attaque. C'est-à-dire qu'on fait un doux et là, on fait un nombre. À chaque fois, on va faire moins 1. Donc, on va faire ce qu'on appelle une décrémentation. Donc, votre nombre, par exemple, va faire, disons, 40. Et après, ça fera 39, 38, 37 et ainsi de suite pour aller jusqu'à 0. La ligne qui est intéressante, c'est le « éco-ne » en restant avec deux variables, donc la variable de couleur bleue et ensuite on met en normal. Mais c'est le NE qui est intéressant. Sous Linux il est important de toujours vérifier les commandes. Donc là par exemple on va faire un man echo, Rappelez-vous, man c'est manuel. Hein. Et là on fait compte de vous avez plein d'informations intéressantes. Alors c'est en anglais, vous pouvez l'avoir en français ou en anglais, ça dépendra ce que vous voulez. Euh... Ça dépendra tout simplement les sites où vous allez. Donc si on regarde un petit peu les lignes, on a donc bien évidemment le echo. Donc si on regarde ensuite le tiret n, ça veut tout simplement dire ne pas ajouter de nouvelles lignes. C'est vraiment celui qui est important. Ensuite, ici, bah, le E, ça va permettre d'interpréter les caractères euh, comme les backslash et ainsi de suite. Ce qui sont intéressés, vous voyez, c'est le R ici, le carriage return. En fin de compte, celui-ci va revenir à chaque fois au début et ça va faire croire que ma ligne va se rafraîchir. Vous allez voir de suite quand je vais vous montrer. Comment aussi intéressante que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est le slip. Alors le slip, c'est tout simplement... Euh, non, non, ce n'est pas un slip que l'on met le matin, c'est tout simplement le verbe régulier to sleep, 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 vous savez, en anglais, pour ceux qui se rappellent des verbes irréguliers. Donc slip veut dire dormir. En général, vous pouvez mettre des secondes, c'est-à-dire que là, si vous mettez slip une seconde, vous aurez votre compteur qui va se décrémenter toutes les secondes. Moi, j'ai fait en sorte de mettre 100 millisecondes. Et ensuite ici on finit par done par rapport à la boucle Y et on finit par fi au niveau de ma condition if. Le écho moiseux entre guillemets euh, anti slash c'est tout simplement le bip bip que vous devez entendre, mais ça dépend des Linux que vous allez utiliser. Regardons maintenant cela en détail. Donc je lance, j'exécute. Donc ici on va marquer 45. Vous allez voir, automatiquement ça va décompter. Alors, si vous voulez faire réellement un minuteur, il faudra mettre tout simplement slip égale 1. Ça vous permettra de décrémenter de seconde en seconde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant augmenter la valeur et vous allez voir quelque chose d'intéressant. Donc, je vais mettre une seconde, j'enregistre et je relance. Alors, je ne vais pas mettre trop de temps. Pour ne pas perdre trop de temps, on va mettre par exemple 15 secondes. Vous allez voir, ça va se décrémenter normalement. Mais regardez, il va se passer quelque chose. Là, je zoome bien pour que vous puissiez voir qu'il y a un problème. Vous vous apercevez que normalement je devrais avoir 8, 7, 6, 5, 4 et ainsi de suite. Et malheureusement, j'ai ben, pas la bonne valeur. Je le relance pour ceux qui n'auraient pas vu et je remets à mettons 16. Ça vous laissera le temps de bien regarder. Regardez, 14, 13, 12, 11, 10, impeccable. Et là, hop, là ça ne marche plus. Ben voilà, en fin de compte, dans cette vidéo, je vais vous demander de trouver la solution. Euh, essayez de trouver une solution pour faire en sorte que vous ayez bien... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et non 90, 80, 110 et ainsi de suite. Donc c'est maintenant à vous de jouer. Bien évidemment, pour ceux qui veulent la solution, il vous suffira de me faire un petit email ou alors tout simplement me demander sur YouTube, euh, mais j'essaie de vous laisser chercher, je vous laisserai quelques jours, on va dire, pour ceux qui sont habitués. Essayez de trouver la solution et essayez de trouver pourquoi cela ne fonctionne pas. Pensez bien à utiliser les man, par exemple au niveau déco, et voir pourquoi... Euh, pourquoi cela ne fonctionnerait pas Essayez de bien comprendre comment cela fonctionne. Comme d'habitude, je vous mettrai le fichier zip sur mon site savoirpourtous.eu. Il vous suffira de cliquer ici sur informatique. Là, vous avez différentes informations, mais là, dans notre cas, ce qui nous intéresse, ça va être Apprenons Linux. On clique sur En savoir plus. Ici, vous accéderez aux différents éléments, vous cliquez sur exercice et vous pourrez récupérer à cet endroit-là la leçon numéro 20 sur la boucle Y. Voilà, c'était donc la chaîne de savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme je vous disais, l'exercice ou la solution à l'exercice, je ferai en sorte de vous le donner, mais un peu plus tard, je souhaiterais que vous cherchiez un peu pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye